Les salles obscures revivent dès la semaine prochaine. À Templeuve-en-Pévèle, les deux cinémas vous accueillent dès le 24 juin, soit à peine quelques jours après la réouverture du cinéma Le Foyer de Thumery. Rencontre avec Rachid Refas, le monsieur cinéma de la commune. Bonjour Rémi. Bonjour Rachid. Alors tu rouvres quand le cinéma de Thumery ? Donc le lundi 22 juin à 20h15 avec Mille de Rien et hâte de revoir toute la clientèle. Durant le confinement, le cinéma a été entièrement nettoyé et désinfecté. Des aménagements de protection ont également été mis en place, comme des plexiglas devant le centre de confiserie et l'accueil. Rachid Refas a également repensé toute l'organisation. Quelles sont les mesures que tu as mises en place ici au niveau du cinéma de Thumery pour accueillir le public ? Les mesures d'hygiène, c'est déjà mettre du gel en entrant. Il n'y aura qu'un sens d'entrée et un sens sortie. Donc les gens rentreront dans les halls et sortiront par les portes de secours de la salle. Les rangées seront une sur deux, désinfectées à chaque séance, et un siège par groupe de personnes. D'accord. Et est-ce que je dois venir avec un masque ? Est-ce que c'est obligatoire ou non ? C'est pas obligatoire, mais vaut mieux le mettre par précaution. Rachid est maintenant impatient de vous accueillir. Il ne vous reste plus qu'à découvrir la programmation. D'ailleurs, l'exploitant du cinéma de Thumery a quelques films à vous conseiller. Rachid, qu'est-ce que tu nous proposes pour la réouverture ? Je t'en prie, voici le nouveau programme. Donc je te propose Mine de Rien, ainsi que Comment une sœur de Gaulle. La semaine suivante, L'appel de la fabrique, qui est très bon aussi, très attendu. Et on attend avec impatience tous les films qui ont été reculés à cause du confinement. Genre Le Monde, qui va sortir au mois de novembre. Voilà. En vous rendant au cinéma de Templeuve-en-Pévèle et de Thumery, n'oubliez pas votre Cinépass. Cette carte gratuite permet aux habitants de la Pévèle-Carambeau de bénéficier d'un tarif préférentiel à l'achat des places. Bonne séance à tous.